Et bonjour, donc voicila présentation d'un jeu bicycle Genso en bleu. Donc j'ai fait le rouge il n'y a pas très longtemps. Enfin, ça dépend pour qui regarde la vidéo. Et maintenant, on va attaquer le bleu. Allez, donc c'est parti au niveau du design. Donc on est exactement sur la même chose, hein. Voilà, si je mets l'autre à côté, il n'y a rien de plus, hein. C'est juste la couleur qui change. Et c'est identique partout. Donc ça change pas. C'est juste la couleur qui change. Voilà. Allez, donc à l'intérieur, on reçoit nos cartes que je vais étaler. Donc pareil, hein, comme je disais sur le rouge, on est la carte est très jolie. Toujours cette petite asymétrie, enfin dissymétrie plutôt, entre les marges. Donc pour ça, j'ai pas trouvé d'asymétrie dans la carte, mais au niveau des marges, oui. Et comme elles sont quand même assez bien calées à droite et à gauche, mais moins en haut et en bas, je considère que ce jeu est asymétrique aussi. Peut servir. Bon, ça peut servir. Voilà. Hop, au niveau de la face. Donc c'est exactement la même chose, hein, sauf que c'est les couleurs qui changent. Allez, donc qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit, hop là, celle-là, elle a glissé. Hop. Notre carte toujours publicitaire, on peut dire. On a notre carte double dos. Voilà. Hop. Et c'est tout. Nos deux jokers. Donc toujours. Hein. Donc pareil que sur le jeu rouge. Le panda et le gorille. Voilà. Et c'est parti. Donc je vais pas m'arrêter longtemps dessus puisqu'on est exactement sur le même truc que le rouge. Donc si vous avez vu le rouge en premier, ben, vous allez voir la même chose sur le bleu. Alors c'est pas du noir, hein, c'est du bleu foncé. Vraiment très foncé la couleur. On est exactement sur les mêmes figures. C'est juste la couleur qui change réellement. Hop, et on finit par la série des cœurs, comme d'habitude. Et hop! Donc là, pareil, on voit bah, aucune différence, à part bien sûr la couleur des cartes à l'intérieur. Et c'est tout. Voilà, donc ça c'était une petite présentation du jeu Bicycle Genso en bleu.